Allez, salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et bienvenue dans le Montana pour la suite de nos aventures sur Far Cry 5. Je parle évidemment de l'épisode numéro 6, on va afficher la carte et on en était où? On avait pas mal avancé mine de rien parce qu'on avait pris Folzen qui nous avait débloqué une petite cinématique et surtout deux quêtes principales qu'on va faire de ce pas. Donc on va faire soit celle-ci, qui est vraiment sympa, le bon samaritain, rejoignez l'élevage de porc des Woodson, soit celle-ci, convoi armé. Je vous cache pas que là, je me sens pas très chaud pour cet épisode, pour faire un convoi armé, parce que ça va être forcément une mission à faire en véhicule. Et là, je vous avoue, je suis pas très très chaud. On va prendre ce petit véhicule bien sympa, et j'ai appris pas mal de choses. D'ailleurs, vous étiez nombreux à me dire, B-Boy, pourquoi? Oh là, fais gaffe! Oh là là, j'ai failli écraser un chien. Je m'en serais voulu toute ma vie. B-Boy, pourquoi tu ne jettes pas ta pelle? Mais parce que les gars, là, tu... La pelle, c'est toute ma vie! Je vais pas jeter ma pelle, c'est ridicule! Si j'arrive pas à la récupérer, c'est la merde, les mecs! Mettez-vous à ma place! C'est trop compliqué ce que vous me demandez là! C'est rien, les gars, ça c'est mon côté cascadeur. Hop, c'est terminé. Allez, hop, ça dégage. C'est totalement terminé pour le joueur. Personne ne s'y attendait. Oh, coin de pêche. Oh! Très intéressant les gars, on a un trésor à aller récupérer juste en face, on va aller le prendre bientôt. J'espère que cette aventure et ses rendus en 2K vous plaisent. Ça me demande du temps mais ça me fait extrêmement plaisir. Ah, dégage. Tu peux le laisser? Ouais, ça va frérot? Oh, se rate! La résistance est barricadée dans le réservoir d'irrigation. La secte lui tire dessus depuis l'autre rive. J'espère qu'il va bien. Allez, j'ai pris un fusil d'assaut. Hey, on se calme. Allez, ça dégage, hein. Ils sont carrément dans des tracteurs, les mecs. J'ai pris un fusil d'assaut et il y a une boutique. Bien évidemment, vous êtes nombreux à m'avoir dit, B-Boy, dans la boutique, tu peux acheter des lunettes et un silencieux. Chose que je ne savais point, on peut pas tout savoir. Mais heureusement que vous êtes là, parce que vous êtes incroyables, vous êtes beaux, vous êtes phénoménaux, tout simplement. Phénoménaux parce que vous êtes plusieurs, je parle à bon nombre de personnes. Alors, j'ai cette arme, clic droit personnalisé. Et c'est parti, on va la personnaliser. On va mettre quoi? Alors, on a une... Alors, attendez. Je suis parti en couille très rapidement. C'est bon. Oh la vache, 1300 le scope. Daniel. Déjà, on va mettre un silencieux, déjà. Oh, c'est tellement cher. Ok. Mais c'est quoi? Rend l'arme virtuellement silencieuse. Idéal pour les situations furtives. Rend l'arme virtuellement silencieuse. Ne vous soucie pas de sa forme. Les coins ne la rendront pas plus bruyante. Ouais. Ah, c'est juste un effet de style. Très bien, c'est juste un effet de style. Hop! Silencieux, c'est fait. Et j'ai plus de thunes, hein. Hop, ça dégage, hein. Ça dégage, ça ferme sa gueule immédiatement. Le ah, silencieux. Et vu que j'ai déjà une lunette. C'est un putain de bon pays. Oh non. Ouais. Oh, ça va être un véritable plaisir, je vous le dis. Une petite délectation, les amis. C'est parti, j'ai enfin mon silencieux. J'ai mes lunettes, je suis content. Ma lunette, sur le coup, parce que je peux mettre qu'un œil dedans. Je suis content, j'espère que vous allez bien. J'espère que la qualité que je vous propose, cette 2K. Je vais pas faire l'américain et vous dire, ouais, mais les gars, voilà. Vous avez quasi un épisode par jour, hormis le dimanche, jour du Seigneur. On se repose, bien évidemment, on adore. Puis dans le Montana, on respecte un petit peu toutes ces traditions. Mais ah, je suis quand même un des seuls à vous proposer de la 2K et moi, ça me fait extrêmement plaisir. Alors, pas tout le monde ne peut voir en 2K, pas tout le monde a la connexion. Mais quand même, profitez-en. Profitez-en un maximum. Il y a beaucoup d'herbe ici. J'adore, j'adore l'herbe. Je vous ai déjà dit ou pas que j'adorais l'herbe? Ok, on continue les mecs. Attendez, on est où là? Je m'aventure. Ouais, j'aurais pu me TP ici. Eh, franchement... J'aurais pu le TP, mais vous savez quoi, c'est le Montana. Moi, j'adore marcher, j'adore le plaisir. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, j'ai totalement pris, hein. J'ai totalement pris, aucun souci. On peut tracer, on peut continuer. Il faudrait que je trouve un moyen rapide de me faire de l'argent. Ça serait pas mal. Donc là, je rappelle qu'on est sur les quêtes principales. Oh, tiens, attendez. Attendez, attendez, attendez. Il n'y a pas un petit véhicule qui traîne dans les parages? Oh, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Je vais pas le prendre tout de suite, mais on verra plus tard. Oh putain, il y a la route pas loin. Ça peut être cool. On est à 400 mètres. Est-ce que je me TP rapide? Franchement, j'ai pas envie de faire le flemmard. J'ai envie d'apprécier. C'est une aventure américaine, mais c'est avant tout une aventure exotique. Et dans aventure dans exotique, il y a appression. Appression. Un petit peu à la Horizon, un petit peu à la Far Cry 4, la plus mal. Il faut se balader. Il faut kiffer un petit peu. Et franchement, regardez comme c'est magnifique. Donc là, ça doit être un petit peu pixelisé. Forcément, je suis en course, mais regardez. Je m'arrête, c'est magnifique. Regardez les petits détails un petit peu partout, les particules qui volent un petit peu partout. Je trouve ça propre tout simplement. Je trouve ça juste propre. On est parti, qu'est-ce qu'on a là? Ça on pille, hein. On pille totalement, je suis désolé les potes. Oh la vache! Non, c'est une branche. 600 dollars!
Non, 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 j'ai pas ramassé 600 dollars. Ok. Ok, c'est pas grave, on va traverser. Il y en a vraiment partout. Il y en a par contre plus que Far Cry 4, j'ai bien l'impression. Des rebelles, ils sont vraiment partout. Hop, ça dégage. Ça dégage totalement. Ok, je crois qu'il y en a un qui fait demi-tour. Tout essayer. Oh, oh, quoi ? Sors de là, mon frère. Sortez, sortez, les gars. Oh, vous êtes deux ! C'est incroyable ! Sortez, les gars. Deux civils libérés. Je dois vous parler ou pas ? Personne va croire ce qui s'est passé. Ah non, bah alors bah là, je suis venu, deux balles de silencieux. On va laisser peser. Ok, allez, cassez-vous maintenant. On a libéré deux, c'est le même prix qu'un. Salut, officier. Avec tout ce que tu fais pour nous, la résistance a pu faire un ravitaillement complet. Va se faire un tour à la boutique à l'occasion. Il est totalement mort. Il est totalement mort. Vous avez une minute ? Oh les gars, bah vas-y, venez tous à la suite, hein, les mecs. Hein. Moi, ça me gêne pas. Hein. Oh putain, il a un trésor à me dire, oh lolo, mais c'est excitant! C'est quoi ça? Ok, des caisses? Oh mais c'est excitant! Mais qu'est-ce que tu fais dans le gars? Je si suis caché! J'avais pas peur de me faire buter par la secte, j'irai piquer le bolide de Big Mike et je foutrai le camp d'ici. Il est caché quelque part dans son silo à céréales. Bolide, ça veut dire... Oh là 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 là, les gars, on a des trésors. Là, je vaux pas... Là, ça vaut le coup! Là, je regrette pas d'avoir marché tout ça, là! Ça, ça vaut le coup! Deux trésors à récupérer. On va les récupérer parce que les plans, franchement, ça régale de ouf. Et on va faire direct notre quête principale. Vous voyez, je parle, le temps passe. Déjà presque 10 minutes de vidéo. C'est mon petit côté américain hein, qui me dit 10 minutes. Mais attention quand même, hein. Ça va vite quand on s'amuse, hein. On l'oublie pas, les gars. Hein. On est parti, c'est plus qu'à 100 mètres. Je sais pas du tout c'est quoi, je pense qu'il va falloir vider peut-être un avant-poste. Ou peut-être tuer un gars, voilà, hein, un gars bien précis. Pas beaucoup de... C'est le passeur Jérôme. Pas beaucoup de faune ici. Si tu es près de l'élevage des Woodson, fais attention. Okay. La secte tuera ses otages si jamais elle t'aperçoit. Attaque-les discrètement. Sinon, ce sera un massacre. D'accord, donc je suis obligé de la jouer discret. Très bien. Les gars, on va se préparer. Ces quatre commandés, ça c'est fait. Je vais en confectionner un. Ça c'est pour le plaisir. Très bien, on est pas mal. On peut y aller, les gars. On a tout ce qu'il faut. Allez, écoutez cette musique. Ah, c'est là, c'est pour ça qu'il y avait le mot cochon ou je sais pas quoi, ou porc. Oh non. J'y vais, vous me connaissez, hein. Vous savez que j'adore les pelles, hein. Cet homme ne boit rien. Coup de perle. Vos âmes sont irrécupérables. Bouge pas, gros. Ok. Quand ils verront ce qu'il reste de vous, j'espère qu'on n'aura pas à surveiller ces connards pour longtemps. J'essaye de jouer avec le son. Il nettoiera la terre de votre cœur, misérable. Joseph est omniprésent. Coup de perle. Ok. On déplace, hein. On déplace totalement. Ok, c'est pas mal. 3 points de talent reçus pour le coup de perle. Je rappelle qu'en restant un pied sur clic droit, je sais que je peux envoyer l'appel. Il y a un mec hyper bodybuildé. Ah mais ils sont deux putain. Ça ne sert à rien de pleurer. Je sais pas si je peux les tuer du premier coup. Je peux passer là-dedans. Oh, putain ouais. Ok. Quand ils verront ce qu'il reste de vous, les autres hérétiques sauront où est leur place. Aux côtés du père. On va faire attention parce que n'oubliez pas que je peux pas monter. Il y avait un chien tout à l'heure. Ça dégage, hein. Ça dégage totalement, hein. J'ai pas le temps pour vos conneries, hein. Ça va chauffer. Allez, casse-toi.
Hop, on prend le corps. Tu as un monstre là. Hein. Il reste plus qu'à les brûler. Ah, on peut pas sauter avec un corps. Quoi? Il a pris ce qu'il méritait. Hein. C'est bon? Oh, je crois qu'il en a tué un, il en a exécuté un. Je suis tellement fâché. Je suis tellement deck, je suis désolé les gars. Je crois que c'est l'otage. Ah ouais, l'otage qui a signalé. Attends, la maison brûle vraiment là? Quoi? 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 Où est l'embrouille? Ok. Oh non, 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 mon pote. Allez. Relève-toi. America! Fuck yeah! Je suis mort. Je suis totalement mort. Putain, merde! J'en ai libéré que deux et eux, ils arrivaient par la route. Je ne savais point. C'était un effet de surprise. On va pas se mentir. Ok. Allez, j'en avais sauvé deux. Bah ouais, mais putain, j'ai voulu réanimer impérativement le gars. Ça m'a coûté une blinde. Aïe, aïe, aïe. Je suis désolé, les gars. Ça m'a coûté cher, cette histoire. Coup de perle! Ou brûler pour l'éternité. Ah, il y a un chien, putain. Vous allez avoir beaucoup de tombes à creuser! Non, 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 non! Les autres hérétiques seront. Ok. Attends, toi mec, tu restes. Non, 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 non. Où tu vas, malheureux, n'écoute pas comme ça. C'est bon, c'est bon. Ok. Allez, j'ai rien à foutre, j'ai tout brûlé. Ok. Allez, c'est rien, je saurai ton bouclier. Il a pris sa balle. Et oh, il est totalement mort d'ailleurs. Allez, ok, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu pars pas, hein. Ok. Non! America! Fuck yeah! Oh oh oh, je suis désolé mon pote. Oh, c'est pas mal ça. On fait des étincelles. Avec des coups d'éclat comme ça, la résistance prend de l'ampleur. Ça, c'est pas mal ça. Tu es plus fort aujourd'hui et c'est grâce à toi. C'est comme l'histoire de David et Goliath. Tu inspires le courage. Ouais, vas-y, parle-moi de Goliath, putain, ouais. Parlez-moi de Goliath, bordel, faites-moi rêver. Ça, c'est fait, le bon samaritain. C'était pas évident, on n'a pas réussi à faire full infiltre et je pense pas avoir libéré les trois, mais mission terminée quand même. On a beaucoup de points de talent à se mettre et ça c'est plutôt cool. J'ai ouvert un petit avant-poste et je pense que ça peut m'ouvrir quelques possibilités. Il nous pousse à commettre l'irréparable. Je sais ce qui te pousse à agir. Je connais ce sentiment plus que tu ne crois. Mais je peux t'aider, officier. Je peux te laver du péché. Je peux purifier ton âme. Ce sera difficile et douloureux, mais ça en vaut la peine. Mes hommes viendront te chercher. Ils t'amèneront à moi. Laisse-toi faire. Parce que plus tu résisteras, plus ton âme aura besoin d'être purifiée. Ok, il y a un hélico juste au-dessus et ça c'est la merde. Oh, merde. John, il va envoyer tous ses hommes à tes ça va être compliqué cette histoire. Fais gaffe à toi. Ok, merci, c'est vachement rassurant. Désignation. Nouvelle mission. Vache, il rigole zéro ici. Sur la musique, c'est très rock. Et ça, on aime. Parce que c'est l'Amérique. Et l'Amérique, c'est rock. Ok, c'est pas mal. Est-ce que. Pourquoi pas faire une petite. Une petite cache survivaliste. Ça me plairait bien, ça quand même. Ça me plairait bien. Et on va voyager rapidement. On se retrouve tout de suite. Thank you.
paraît qu'ils t'ont... Allez, boum! C'est à 300 mètres, ça, c'est fait. On s'en est très très bien sorti. Je suis fier de vous, je suis fier de moi. Un petit peu déçu, par contre. Oh la vache, ça, j'avais pas vu ça. Ça touche ou pas? Je sais pas trop si ça touche d'ici. Je vous avoue que je sais pas si les balles peuvent aller vraiment très très loin. J'ai pas cette impression. Wow, 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 wow. Les gars, ça glisse, c'est une patinoire. Allez, doucement quand même. Voilà, ça, ça dégage. America! Bah, ça va, les gars. Eh, on peut pas arrêter le véhicule. La ville, moi, je peux... Stop! C'est l'heure de chasser les poulets. Ne le tuez pas, utilisez la grâce. Les gars? Grèce! Mais bête, bordel! Bah, voilà! C'est pas vrai! Utilisez... La grâce! Mais que mes graciez moi! Ah! Ah! Oh, je suis mort, les gars, non, mais c'était. Oh, je suis pas mort! Faut bien viser, suffit d'une seule balle! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette sombrerie? Les gars? C'est donc ça le paradis? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, je suis mort, mais ça avait l'air intéressant! What? Celui-ci? Non. Celui-là. Ouais. Je le trouve pas vraiment digne. C'est pas à nous d'en juger. Il faut qu'on l'amène jusqu'à l'eau. La purification commence ce soir. Nous devons laver notre passé. Nous devons afficher nos péchés. Nous devons... Alors seulement, nous pourrons voir la lumière divine et franchir la porte de l'Éden. Non, pas celle-là. Celle-là n'est pas pure. La purification t'amuse, John? Non, je sais. Tu dois les aimer, John. Ne laisse pas ton péché t'aveugler. Amène-moi celui-là. En dépit de tous tes péchés, le salut reste à ta portée. Tu n'es pas là par hasard ni par chance. Tu es là par la volonté de Dieu. C'est lui qui t'offre ce don. La suite dépend entièrement de toi. Tu peux accepter ce cadeau. Ou tu peux le rejeter. Qu'est-ce que c'est que toutes ces conneries? Celui-ci va réussir son expiation. Ou la porte de l'Éden te sera fermée, John. Oui, Joseph. Que tu as commis, même s'ils sont véniels, des plus bénins. Je t'y aiderai. Nous verrons si tu es digne. Mais si on se confesse sans attendre, tout ira bien, non? Non, ce sera pire. Pourquoi? Parce qu'une confession sans douleur
n'a aucune valeur. Tu cries ton péché, puis tu le portes à fleur de peau avant que John Seed ne te l'arrache. C'est vraiment magnifique. Putain de taré! Ne leur fera grâce. T'éloigne pas. On n'a quand même pas fait ça pour te perdre maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce délire? La purification mission principale, what the fuck? C'est quoi? C'est... Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, hein, je sais pas, hop. Oh, double headshot. Ok. J'ai plus mon silencieux, je dirais. Ok. Pas mal. Ok. Ok, on va faire attention, les gars. On va faire attention, on va pas faire trop les malins. Je sais pas où on est, je sais pas ce qui se passe. C'est incroyable. J'étais censé mourir. Ils sont venus me chercher, j'ai été libéré. En tout cas, c'est assez dingue. C'est scripté, ça fait partie de l'histoire principale. Mais waouh! Que se passe-t-il quand même? Ok, la frontière. On est à deux doigts de la passer. Allez, allez, allez. Ok, c'est pas mal. Qu'est-ce qui se passe? Putain, je suis à 2 km maintenant du diamant. Ok, je sais pas où je dois aller, hein. Je sais pas ce que je dois faire. En tout cas, ça devait être fait. Parler au pasteur et sécuriser le point de contrôle. Ok, le point de contrôle, ça a l'air d'être fait. Pasteur, dis-moi tout parce que là, je comprends rien, frère, vraiment. Viens voir, j'ai un plan. En tout cas, c'est incroyable. Je sais qu'il y avait un problème quand on n'a pas réussi à te joindre. Je suis content que le Seigneur m'ait orienté dans la bonne direction. On t'a retrouvé, mais d'autres gens ont encore besoin de notre aide. La secte emmène le reste des prisonniers un peu plus loin. Ils ont merle avec eux, le temps presse. Prends ce que tu peux et va les sauver. Je vais appeler des hommes à nous. On aura besoin d'eux si on veut réussir. C'est incroyable! Merle Bridge, c'est où? Bah j'y vais, je vais le faire, c'est juste à côté les gars. Trouver Merle, putain! En fait, en mourant... C'était scripté, donc j'étais obligé de mourir, je crois. C'est vrai que j'avais pas vraiment de points d'échappade. Et ça nous entraîne sur une quête de l'histoire principale, c'est juste fou. Comment un enfant peut-il n'avoir besoin de rien? Ok, les gars, pas de soucis. Bah, moi je fais, je prends. Je prends totalement. Alors, je voulais voir quoi, les gars? Hop, attention, les petits points, pardon, je me suis foiré sur la touche. Les petits points de talent tout de même. Parce que j'en ai pas mal. J'en ai 8, les gars, quand même. C'est pas n'importe quoi. On a quoi? Maîtrise du combat rapproché, sprint discret. Oh, c'est pas mal ça en vrai. Hein. Et bouger plus rapidement en étant accroupi. Mais faudrait que je mouge un peu tout ça. On peut avoir un parachute. On peut... Allez, eh, vous savez quoi? Poisson humain, je prends. Parachute, je prends. Faut avoir un petit peu de tout. Qu'est-ce qu'on a là? Tiens, ça peut être intéressant. Boost de santé plus 1. Oh, votre santé maximale est augmentée. Coup 6, j'en ai 6. Ça me paraît pas mal ça. Hein. Pour survivre un petit peu plus. Allez, de toute façon, je le prendrai un jour. Autant s'en débarrasser maintenant. C'est fait! J'ai plus de santé que d'habitude. Incroyable! On est parti. On va voir Merle. Je sais pas du tout ce qui se passe. En tout cas, c'est juste fou, les gars. Tout ça, rien n'était prévu. Ok. Les gars, putain, c'est fou. Vas-y, hein, moi, ça fait DRP, hein, les gars. C'est bon? Frérot, fais un effort. Ok, ça, c'est bon, c'est fait. Sortez-moi de là! On continue, on est encore, ce n'est que le début, d'accord. J'ai connu le désespoir.
j'ai connu un monde. Ok, c'est une vraie invasion, hein. 200 mètres maintenant. On va y aller aussi. Wouah! Ok. Cet épisode est incroyable! Sa mère, je vais prendre ce que je mérite. Ok, j'ai compris. Doucement quand même, les mecs. Hein. Allez-y, mollo. Allez-y, mollo, putain! Ok, c'est pas mal. C'est juste fou tout ce qui se passe, hein. J'y vais, mais je sais pas où, je sais pas... Voilà, je vais voir Merle, ça c'est cool. Ces salopards tiennent vraiment à nous coller dans le bunker de John. Allez, relève-toi, frérot. Relève-toi, je sais... Ça dégage, hein. Désolé. Okay. On a envoyé un hélico pour te chercher. Tiens bon jusqu'à ce qu'il arrive. C'est taré, je patrouille à tout le monde. Attends, parce que là, c'est la merde. Courez, faut que je quitte ce bordel. Ok, ça c'est mon pote. Ok, ça c'est fait. Ça dégage. Très bien. Non. D'où Jésus? D'où Jésus? Oh, il a dit exactement d'où Jésus aussi. C'est un signe, Merle. Allez, ça dégage, hein. C'est rien, mon frérot. Mais relève-toi, c'est rien, merde. Hop, c'est rien. Non, mais arrête de crier. Ah, merde. Oh, merde, on va prendre ce qu'on mérite. Ok, c'est fait. Putain, merde, t'es nul à chier. C'est fait. Arrête de dire d'où Jésus, bordel. Ok. Ok. On continue. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok, on continue. On sait pas tous par où il passe, mais il passe. Allez, ça dégage, hein. J'ai pas le temps pour vos conneries. Allez, ça dégage. Les gars, je peux... Ok, c'est bon, entrez dans l'hélico, j'arrive. J'arrive, les gars. Waouh, incroyable, on a sauvé un gars. Et c'est merde, putain. Ça vaut le coup. Quoi, c'est sérieux? J'ai vraiment mis un coup de grappin à l'hélico. Attendez. Bah vas-y, je grimpe, attends, je sais pas, hop, ok, d'accord. J'aurais pu rester au grappin, c'était mon petit côté américain. Faut partir, hein. Faut partir, c'est immédiat. Allez, GG ça les mecs. Incroyable cette quête, incroyable. Elle est tombée à point nommé, j'étais parti pour prendre un trésor et vous avez vu que tout est parti en couille très rapidement. On est où sur la carte? C'est dingue. Merle, c'est fait les gars, ça s'est récupéré. Maintenant tu vois ce que nous devons affronter ici. Ils nous embarquent contre notre gré, officier. Je sais que tu cherches ton collègue, mais Folzen n'est qu'un fragment de notre communauté, et nous avons tous besoin de toi. Quand nous serons suffisamment forts, nous libérerons tous les prisonniers. C'est une promesse. Si c'est une promesse, je prends, parce que c'est une promesse américaine. Restez avec Merle jusqu'au dépôt, bah y a pas de souci, hein, je reste. De toute façon là, je peux pas faire grand chose en soi. Être analysé, même pas, ça sert à rien. C'est le domaine des Doper Spike. Ok, très bien. Ouais. Ça, je peux t'analyser, toi? Oh, très beau. Comme ça, j'ai la transparence. Je sais s'il a des problèmes de dos ou pas, tu vois. Ah, il y a du monde ici, très bien. Ok, j'ai peut-être les aider. Sacré quête, en tout cas. C'est ça le dépôt, parce que là, les gars, on n'a pas la même notion du dépôt, hein. Eh ben si. C'est totalement ça le dépôt, les gars. C'est totalement ça le dépôt. Et
bien, c'est fait. Bel épisode, bien rempli. Et on a sauvé Merle. Et ça, c'est cool. Merle, calme-toi. Il est vénère de ouf. Regardez-le. Il a une coupe un peu mi-fig, mi-raisin, mi-montana, tu vois. Et ça, ça fait plaisir, les gars. Ça, c'est rassurant. Donc, qu'est-ce que ça nous a débloqué? Est-ce que ça nous a débloqué un membre du groupe? Même pas. Même pas. Je pensais voir Merle dedans. Mais pas du tout. Mais en tout cas, on a fait une quête principale. Et ça, bordel! Ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Ok, on a quoi? Ici, par exemple, on a une boutique de bateaux. On peut carrément acheter des bateaux. Ça, c'est plutôt cool. On a un portail de sécurité. On va pouvoir se TP. On a notre trésor que j'ai pas pu aller faire. Donc, on se TP là-bas pour la prochaine fois. Et puis, on fera des quêtes principales aussi. Mais en tout cas, incroyable. J'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé, vous voyez. On s'est fait arracher dans les silos. Je vous avoue que je m'y attendais pas spécialement. Et c'était pas ma mort en fait, c'était peut-être sûrement scripté. Au bout d'un moment dans le jeu, je devais mourir et être emmené. J'ai été emmené, on a eu une petite cinématique bien sympa avec Joseph, Sid et John, le frère. Et puis franchement, on a sauvé Merle, c'était vraiment cool. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire, cet épisode-ci c'était incroyable. En tout cas, moi perso, j'ai bien kiffé. J'espère que vous aussi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Far Cry 5, bien évidemment. Ciao, ciao tout le monde. Tout va bien ? J'ai entendu ce qui s'était passé. Heureusement que Jérôme est là, hein. T'as fait du beau boulot en évitant à ces gens la purification de John. Bon, il va être furieux, mais il peut bien aller se faire foutre. Continue comme ça. Terminé.